Sabots, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et là, on va faire le chapitre 3. Je ne me suis pas renseigné plus que ça. En fait, on est entre la vidéo que je viens de faire, que je viens de poster, et là, ça s'est passé littéralement 2 minutes. Oh non, pas 2 minutes. Le temps que je mange des bananes et sucre. Comment ça? Alors j'ai lu très vite, mais Luffy, tu n'es pas du tout un espion. Ouais, il sort tout seul du tonneau si vous voulez savoir. Enfin, il le casse tout seul. Ça me fait rappeler le premier épisode quand même, hein, quand il rentre dans le tonneau. En fait, Triangle et R1, si vous voulez, c'est pour interagir. Voilà, c'est qui je peux tenir. Il veut sortir. Bien sûr, je m'appelle Mugiwara, non. Ça me fait passer un kirkette, ça. Bon, on va pouvoir y aller. Tout ça, ça me fait penser aussi au château de Germain. Juste, on va regarder un truc. Ça, dès que ça va faire une ellipse, ne vous inquiétez pas. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, ça va faire 3 vidéos. J'ai donc ça. Voilà, tout ça. Ça va faire un... Hop, 3 vidéos. Séquence 2, 3. Là, ça me fait penser à Britannia dans la zone d'Hallucine. C'est le moment où Diane retrouve la mémoire et King le savent pas. Le sait pas, elle est comme ça là. Le jeu, c'est de retrouver tout l'équipage quand même. Et là, c'est pas du tout ce que je... Il se moque de moi. Si c'est un utilisateur de feu du démon, cassez cette porte, c'est pas Mugiwara, ça. C'est pas du tout un Mugiwara. Oh bordel, smoker. Non. Non. Okay. Smoker, c'est bien ma veine. C'était toi, l'utilisateur du feu du démon sur ce pont. Épargnez-moi tes familiarités. Certes, je t'ai laissé filer sur Punk Hazard. Oh. Non, pas que Punk Hazard. Alors c'était quoi, la basta? Mais je suis de la marine, et toi tu es un pirate, ou des ennemis jurés. Tu ferais bien de ne pas l'oublier. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir te livrer la justice. Très bien, dans ce cas, je ne te fais pas de cadeau non plus. Non, je le refais. Spécial. Où tu veux marquer des ennemis, tu peux... Pour varier uniquement celui que tu gardes en caméra, celui qui ici ne peut te taper pour désactiver. Ok. J'utilise la clé offensive parce que c'était aussi belle la série. Si tu n'utilises pas de fluide, tu ne peux pas le toucher avec des gros dégâts. Mais quoi? Mais je suis deux avec le Haki. Comment je fais ça? Pourquoi tu fais mal? Ah
Alors j'ai appris une technique quand vous étiez pas là. Bazooka. J'ai appris le gom gom bazooka. Oh là, smoker. Voilà, gom gom bazooka, il est pas mal. C'est une attaque offensive. Aïe. J'ai littéralement mangé le sol. Tu vas me le regretter. Une fois que je t'ai sauvé la vie. Ah la basta. Alors, fais-moi le fier, hein. Tu veux aider la marine? Mais en vrai, si tu aides les pirates, ça t'aide pas beaucoup, hein. Ça te fait le seum quand je dis ça, pas vrai, smoker, hein. Wow. Non. C'était lui, l'utilisateur de folie de démon. Para. Gotcha. Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. T'es le boss, t'as du pot. C'est un petit chien. Boss, jeune, tu veux dire? C'est qui ça? Je parle du gardien chef. Moi, c'est-il les paroles du gardien chef? Tu as resté sur cette île, hein? Chapeau de paille, comme ça je te capturerai jusqu'après être chargé de ça. Ouais, mais tu vas pas être Shibukai en fait. Tu vas juste être amiral, même pas, vice-amiral. Ça que tu crois? T'inquiète, je suis tombé sur Smoker, mais il a dû filer pour se changer d'un gros bonnet. Nanda sore. Mais c'est bizarre quand même. Je l'imagine mal tourner les talons sans même essayer de te capturer. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a exploré toutes les pistes qui ont trouvé les ordres. Tu me passes l'escargophone de Luffy? Luffy, est-ce que tu m'entends là? Si tu es à court de piste, pourquoi ne pas faire un tour à Steel City? Nanda? Steel City? C'est où ça? C'est une grande ville sur la côte de l'île. Je te comprendrai moi-même y aller justement. Alors, même si ça a l'air très répétitif, j'avais dit que je ne suis pas spoilé sur Chopper. C'est totalement vrai. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de... Comme Rocket pour planer en dessous. C'est juste que le jeu a l'air répétitif, tout ça. Mais une fois tous les Mugiwara dans la page, j'ai vu qu'il y a beaucoup de boss à faire. Attends, là, c'est comme le Gum Gum Rocket. Ok, c'est ça le Gum Gum Rocket. Regardez. Là, regardez. Là. Oh, mais arrêtez! On aura le temps de faire deux chapitres aujourd'hui. Bah, on va augmenter le gamma-gamma rafale avec nous. J'ai rien d'autre à faire. C'est déjà pas mal. Non. On va prendre ça. Je sais c'est quoi, je veux en Orcam. Vous allez comprendre. Regarde ça. Pourquoi ça marche pas? Attendez. Quoi? Appuyez. P.
Cependant, un saut appuyé plusieurs fois sur pour déplacer dans. Ah, ok, je suis con moi. Ok, alors regardez. Faut smasher la touche, c'est incroyable. Là. Pourquoi il n'y a pas le Gam Gam Rafale? Voilà, le Gam Gam Rafale. Je peux voir. C'est bizarre parce que c'est le même combo qu'il a sorti contre Rob Lucci. Rob Lucci. C'est les mêmes. Ceux qui connaissent pas One Piece, c'est un peu improbable. Si vous regardez cette vidéo, c'est forcément que vous connaissez. Ou bien si vous connaissez pas, le truc. Allez, ça. On va tuer beaucoup de ennemis, c'est foutu plusieurs fois dans la merde. Et ce combo est un peu inutile. Pas le combo qu'il a sorti contre Abouti. Qu'est-ce que je fais? C'est même pas que je fais là. Le combo de... C'est contre... C'est un peu des combos du film Z. Pas du film Z. Oh, le film où ils combattent contre Krika, qui est pas sorti, le vu que le jeu est sorti avant. Vous avez compris quoi. J'aime bien les films One Piece. Ils sont remplis de bonne humeur. Hein. Mais des fois, c'est vrai que le film. Mais dans les films, il est plus intelligent que dans la série. Ça c'est. En tout cas, il peut pas utiliser son cerveau tant qu'il n'y a pas de la bouffe. Ou pas des combats. Ça, t'es sûr. Voilà, comment on a appris à connaître la fille. Tu l'emmènes à bouffer. Tu mets un calcul. Mais il va pas avoir quand même réussir. Ah, en fait, il est vraiment con, le boss. Par contre, le bug dans le jeu. C'est quand même longtemps que je joue ce film, mais pas assez longtemps. Ok, il y a des boss comme ça. Pas vrai, ça. Mais je vais. Pas vraiment, c'est le boss, ce jeu. Par contre, là, je serais deck si les boss bug. Parce que je sais que le boss bug pas alors c'est le bug. La quête. Oui, pour ceux qui croient que tous les tutoriels, je les skip. Je voulais pouvoir regarder comment fonctionnent certaines choses. Angle caméra, déplacement, courir, tac à corps, sauter, s'en amuser. Donc voilà. C'est tout ce qu'on a vu depuis le début. Esquive, ça compris zone de mission, détection de jeu de fuite perceptif, attaque à distance, bien vu, voir coffre ou des portes, point de compétence, ça aussi, vous avez vu, débloquer des compétences, ça aussi, changer de mode, ça aussi. Ça aussi. Ouais, changer de mode, nouveau mode avec des compétences. Équipement, vous avez compris. L'équipement, ce que j'ai trouvé étonnant. Attaque spéciale, vous avez compris ça aussi. Oui, là si vous avez compris, comme Rocket. Vous avez compris. Hein. Alors, ensuite, un placement d'équipe, vous avez compris. Changer de musique, je vais pas faire. Mode photo, de fuite. Ça, c'est tout ce qu'on a vu. Donc, voilà. Bonne nuit. Je vais quand même faire une ellipse de temps d'aller là-bas. Hein.
Donc d'abord en fait on va faire un trajet ensemble parce que tout à l'heure je suis mangé du tout à recommencer parce que j'avais découvert des nouvelles choses et que j'avais pas envie du tout à recommencer, si tu vois ce que je veux dire. Bah voilà. Ah aussi j'ai vu que pour avoir le flûte de roi c'est facile. Non. Non parce que c'est là où je suis mort, il y avait un marteleur, je sais pas quoi là. Sauf que les tonneaux, tout le monde sait qu'il y a une durée de vie. On y va. T'es trop grand la fille. N'empêche qu'il pouvait au moins se maigrir quoi. Ça va se porter vite à petit de la ville. Ce qui me fait rire là, c'est que la machine est en chasse. Un petit comme ça, à chaque petit avantage. Compliqué la nuit. Qu'est-ce que ça sert le guapo métal par contre? Faut arrêter mon... Ça fait me penser Mario Odyssey ça. À Paulineville, un truc comme ça. Pauline Town. Ok, des infos à l'entrée de Steel City. Il y a crash mon fond. Attends, c'est en train de charger. Yes, on a débloqué les déplacements rapides. Par contre, le deuxième train, j'ai pas compris qu'est-ce que c'était. Ah, il y a des snipers sur les toits. Mais en tout cas, on va se laisser là pour ce petit épisode. On va faire un autre après. Et du coup, je vous dis au revoir. Et je me fais pointer par un sniper. Et je dis à la prochaine. C'était Mugiwara no Bima Bima. Allez, ciao.